Secrétaire principal Edouard Vigne. Secrétaire principal n'est pas là. Suchen. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Schneller ! C'est moi qui dirige ce service. Alors, commissaire, toujours sceptique ? Pas sceptique, monsieur Gallo. Convaincu. Je suis sûr que monsieur Vigne n'a fait que son devoir. Et vous, Barrois, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous y croyez, vous, au sens du devoir d'Edouard Vigne ? Vous devriez expliquer à monsieur le divisionnaire ce que vous avez appris sur votre ami le secrétaire principal Vigne. Lucas, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous savez ce qui attend Vigne ? Il va être déporté. Ou tout bonnement fusillé. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ce calot ? Rien, monsieur. Bon sang, Barrois. Vous êtes le meilleur ami de Vigne depuis toujours, oui ou non ? Ça. La mitraillette que tout le monde cherchait. La mitraillette de Jean Laferrain, qu'est-ce qu'elle fout ici ? Eh ben, il y avait tout un arsenal chez ce voyou. Alors juste avant qu'on mette les CD, hop, ni vu ni connu. Tu l'as piqué ? Mais pourquoi mon sang est devenu fou ? Ben, une arme, ça peut toujours servir par les temps qui courent. Je te signale que la semaine dernière, il y a deux petits malins comme toi qui sont fait fusiller par les Allemands pour détention d'armes illégales. Je pensais que personne s'en apercevrait. Malheureusement, cet imbécile de Joe Laferraille, il en a parlé pendant son interrogatoire. Alors tout le commissariat du 4e est à sa recherche. Et en plus, tu la caches chez toi ? Mais à quoi tu penses ? Lucas ? Lucas ? Oui ? T'es là ? Oui. Je suis là avec Edouard, on est en train de choisir des lignes pour la pêche. Ça va, Edouard ? Ça va. Je vous prépare un peu d'orge grillée. Oui. J'en peux plus de son orge grillée. Complètement inconscient. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette arme ? Je pensais que t'aurais une idée. Ça commence à bien faire, on n'est plus à l'école, on a plus 10 ans, toujours à faire des conneries. Pourquoi je serais toujours celui qui tire de la mélasse ? Parce que t'es mon ami. T'as la ficelle ? Oui. Les pêcheurs. Nib de Nib, pour la moindre touche. Hein. Ça, désolé, mais on n'améliorera pas l'ordinaire aujourd'hui. Ah oui, mais aujourd'hui, c'est pas un jour ordinaire. Mon Maurice devrait être avec nous, en train de fêter ses 19 ans. C'est vrai, les boches, ils pourraient quand même nous dire où il est. Ah ben, moi, je sais pourquoi on nous dit rien. C'est parce qu'il est déjà mort. Mais non, Jeannette. La mort des soldats, c'est la seule chose qu'on apprend très vite. Ça, pour ça, il traîne pas. Ben alors, pourquoi il nous écrit pas ? Tu crois que c'est simple ? Moi, je suis sûr que Maurice, il sait qu'on est tous là pour son anniversaire, avec sa fiancée, et qu'on pense très fort à lui. Hein, ma petite Yvette ? Bon, allez, viens, c'est l'anniversaire. Allez, allez. Quand est-ce qu'on mange ? Non, l'estomac à la place du cerveau. Vite à baga. Ah,
Ça, c'est un anniversaire. Et on lui racontera à Maurice comment on a fêté ses 19 ans avec Qu'est-ce que c'est que ça, Madeleine? Un jambon, Edouard. Je vois bien que c'est un jambon. Ne me prends pas pour un imbécile. Vous avez tous l'air d'oublier que je suis un représentant de la loi. Et toi aussi, Lucas. Ça, c'est du marché noir. Personne ici ne touchera ce jambon. Compris? Tu vas me faire le plaisir de le rendre à qui te l'a vendu. Oh, mais non! Madeleine ne l'a pas acheté. C'est moi qui lui ai offert. Mais attends, on tombe sur deux trafiquants avec leur jambon. Tu voulais qu'on fasse quoi? On le rende sagement au boche pour qu'il se le bouffe? Ah ben je sais, c'est la loi. Mais il y a des moments, la loi... Hein? La loi, faut savoir la contourner des fois. Hein? J'en étais sûr. Bon appétit. Ah! Tiens, ils sont là, les boches. Assois. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Levine. Ça va, l'homme? Mais quel juif? Ici, on s'occupe des étrangers, mais ils sont pas tous juifs, loin de là. Arrête de jouer au combat, c'est l'armée d'occupation. Ils veulent le nom des juifs étrangers qui ne sont pas fait recenser, c'est simple. D'ailleurs, je l'ai fait la liste. Tu n'as rien du tout compris. Ici, c'est le patron qui est décideur, toi tu t'écrases. Je t'emmerde, Boer. Un jour, je te ferai gauler comme communiste, tu feras moins le fier. T'as dit d'attendre le patron. Si ça, tu viens le chaise. Va, l'arrêter. Lâchez Durieux. Boer, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes patron ici. Vous êtes très désordonné. Keine discipline. Ces messieurs demandent la liste des juifs étrangers qui ne se sont pas fait recenser. Demande la liste, on leur donne. Vous avez une autorisation signée par le maire? Non? Alors désolé, mais rien ne sort de cette pièce. C'est la loi. Naturally. Ça reste ce que c'est. Nous revenons autre jour. Oui, c'est ça. Autre chouré. Pas de commentaire, Boer. Alors, Fabre, c'était bien les toilettes? Ah, oh, bah lui, dès qu'il s'agit de se mouiller. Hein. Il mouille sa culotte. Messieurs, s'il vous plaît. Fabre, allez ouvrir le service. Avec tout ça, on a pris 5 minutes de retard. C'est quoi ton nom? Tu sais pas parler? Je t'ai demandé ton nom. Justin. Idiote congénital. Sale youpin. Hein? T'es une saleté de youpin. Ramasse! T'es là pour recevoir les gens, pas pour les insulter. Les youpas, c'est pas des gens. Mais qu'est-ce que vous foutez, Val? Ne recommencez pas, sinon c'est la mise à pied. Et lui? Quand il traite les gens de youpas, vous le mettez pas à pied? Retournez travailler. Vous vous rendez compte de l'image que vous donnez de la police? Je m'en tape. Change de service, je suis muté. Non, c'est très bien, ça nous fera l'air, tiens. Ça suffit, Val! C'est pas parce que son frère s'est fait flinguer qu'il a tous les droits! Le frère de Durieux était un flic. Comme vous et moi. Patron? Patron, monsieur le divisionnaire, vous êtes un dans son bureau. Oui, merci. Excusez-moi, patron. Et comment? Le retour de Laval aux affaires est une aubaine pour nous autres. Oui, cet homme a toujours soutenu le rôle essentiel de la police française. Réjouissons-nous, monsieur le procureur. Je vous en prie. Mes hommages à madame. J'ai appris que Durieux avait été muté, et sans qu'on me demande mon avis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La PQJ ne demande rien, ni à vous, ni même à moi. Écoutez, ça va libérer un poste. On pourrait faire venir Lucas, mon ami Lucas Barrois.
C'est drôle, vous me parlez toujours de celui Cabarrois. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Dites-moi, on a reçu des lettres de dénonciation, un accès vil des juifs qui auraient omis de se faire recenser, là. Il faudrait peut-être aller voir. Et c'est signé un bon français. Ça va, Yevka? Ça va, vous savez, avec ses 72 ans, une vraie jeune fille. Et maman aussi, elle aurait 72 ans. Enfin non, 73. Ah, votre mère était très belle, votre mère. Aussi belle qu'Emma Rivka. Et aussi bavarde. Et Benjamin, ça va? Benjamin, vous savez, il aurait pu être médecin, il lui manquait une année, mais il n'avait pas le droit d'en finir. Il est à Paris. C'était brouille. Qui c'est mon gueule, c'est un Schengel, hein? C'est le fils de Benjamin. Ah, ça va? T'es qui, toi? Monsieur le secrétaire principal de la police. C'est un gentil policier. Il y a des gentils monsieur dans la police? Ah, ouais. Ah, ne le grondez pas. La vérité sort de la bouche des enfants. Tu embrasseras bien ta mamie pour moi. C'est bon. Au revoir. C'est Alfred Callot que t'as devant toi. T'en reviens pas, hein? Tu croyais m'avoir mis au trou pour la vie? Mais t'as rien dans ta caboche de poulet. Quand on veut plus voir quelqu'un, mon vieux, il n'y a qu'une seule solution. Tu me connais. Quand un flic m'emmerde... Mais monsieur Callot, non, ne tirez pas! C'est un policier, le secrétaire principal Vigne. Je l'ai pris pour un youp, hein. Non, en regardant bien, vous pourriez avoir un peu le type. Bon, non, pas du tout. Ça va, monsieur Vigny? Monsieur Callot est arrivé ce matin pour prendre la direction de la police aux questions juives. Il ne pouvait pas savoir. Non, bien sûr. Il ne pouvait pas savoir. C'est quoi votre nom, déjà? Alfred? Alfred Callot. Ce qui est incroyable, c'est que dans la maison, il y avait au moins deux familles. Je comprends pas. C'est pas incroyable, mon petit. Il y a des fuites dans tous les commissariats de France. Nancy ne fait pas exception. Quelle fuite? À part le divisionnaire et moi, personne n'était au courant. Vous savez, Vigne, le complot juif, ce n'est pas une invention d'Hitler. Allez. À bientôt, monsieur le secrétaire principal, Vigne! C'est moi qui l'ai arrêté en avril 40. Calmez-vous. Asseyez-vous. C'est quoi, ce Callot-là? Il était de la cagoule, c'est ça? C'est un voyou. Qu'est-ce qu'il fout là, à nous donner des ordres? C'est un assassin, ce divisionnaire. Un assassin? Passez-moi le dossier de la PQG, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez disposer. Ah, voilà.
J'ai son casier, il est vierge. Ben évidemment, il s'appelle pas Fred Callot. Il a jamais été jugé, il s'est fait label dès que les Allemands sont arrivés. Son vrai nom... Ça suffit, Vigne. Je ne veux pas en entendre davantage. Vous me demandez de couvrir un assassin, patron. Je ne veux pas de vagues dans les services de la police française. Vichy a été très clair là-dessus. C'est un ordre. Hey, salut. Salut. Nuit de Chine, nuit calune, nuit d'ivresse. Fais-nous un beau gros gâteau tout chaud. Ah oui, un 4K. Mais bien sûr, y a qu'à demander. Quatre bons gros œufs. Leur poids en beurre. En farine. Et en sucre. Un peu de patience, la guerre durera pas toute la vie. Non, on n'a pas de patience. On va rejoindre De Gaulle à Londres. Et là, on mangera un pudding par jour. Tu rigoles? Deux, trois puddings, des toasts et du bacon. C'est qui ce De Gaulle? Mais maman, t'as pas entendu parler de De Gaulle? Non, désolée. J'ai peut-être l'air d'une cruche, mais je sais pas qui c'est. Je fais pas des études, moi. Je fais la queue au moins 4 heures par jour à la boulangerie. Et le reste du temps, je le passe à traquer le premier marchand venu qui me vendra 3 patates. Madame Vigne, De Gaulle, c'est celui qui va sauver la France. Pour l'instant, il est à Londres, mais... Bon, ça suffit, les enfants. On vous demande pas de parler politique, mais de faire vos devoirs. D'ailleurs, il est l'heure de partir pour tout le monde. Allez. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Albert. Rentre, ferme la porte. J'en ai assez de te voir avec ces jeunes idiots. Alors à partir de maintenant, tu vas rentrer directement de l'école à la maison. Et maman viendra te chercher. Je vais être ridicule? Ça m'est égal. Tes copains racontent n'importe quoi. Ils sont capables de toutes tes bêtises. Et toi, je te connais, t'es capable de les suivre. Marcel, il raconte pas de bêtises. Il dit tout ce qu'il pense, lui. Il a pas la trouille. Marcel, c'est le fils du procureur. Alors il dit ce qu'il veut. Toi, t'es fils de policier, alors tu te tais. Vous avez écouté le dernier discours du maréchal? Absolument. Vous avez vu ça? À son âge, cet homme est d'une lucidité, d'une acuité dans son raisonnement. Vous avez raison. Ah, te voilà. Viens là. Vous connaissez Marcel, monsieur le préfet? Bonsoir. Comment ça va, jeune homme? Ça va, merci. Charles, vous vous souvenez de mon fils Marcel? Il a grandi, n'est-ce pas? Il passe son baccalauréat l'an prochain. Il est comme son père, très attiré par la magistrature. Très bien. Allons-y, mes amis, on nous attend. Désolé, père. J'entrerai pas dans ce bouge rempli d'ennemis de la France et de collaborateurs. Si vous préférez vous mêler à la racaille, allez-y. Mais sans moi. À l'Excelsior, un bouge. Cet enfant est hors de contrôle, Odette. Allons. Si on n'est pas rebelle à son âge, qu'il serait. Hein? Je vous remercie de votre complaisance, monsieur le préfet, mais ces propos sont intolérables. Oh, n'oubliez pas notre jeunesse. J'ai fait bien pire, vous vous souvenez? Alors, ça y est, vous êtes de nouveau des nôtres. Vous allez pouvoir lancer la restauration de votre demeure. Sans vouloir dire du mal de votre pauvre tante Valentine, elle a tout laissé à l'abandon. Pire que ça, l'état des lieux est catastrophique. Un chantier qui durera au moins un an. Je ne sais pas par quoi commencer. Colonel Heinrich. Bien, hein? Je vous présente Charles Delabarre. Ich freue mich, Kenan Zuller. Vous parlez allemand? Je n'ai aucun mérite. Je viens d'une vieille famille qui a perdu sa fortune, mais conservé sa fierté et son rang. J'ai passé une année à Göttingen à la fin de mes études. Votre père était prévoyant, quasiment visionnaire. Vous oubliez notre voyage à Berlin en 28, 29? Je ne sais plus. 28. Et il se souvient surtout de Varsovie, cette fripouille, et de sa beauté polonaise. Excusez-moi, on m'attend. Alors, colonel Heinrich, comment trouvez-vous notre bonne ville de Nancy? Tout à fait charmante. Bonjour. Bonjour.
Charles Delabarre, je suis le nouvel inspecteur ici. Je cherche le secrétaire principal Vigne, s'il vous plaît. Inspecteur. Oui. Ce type dit qu'il est inspecteur. Secrétaire principal Vigne, enchanté. Charles Delabarre, je viens d'être nommé. Je ne tolère pas de tenue négligée. Allez vous changer immédiatement, vous coiffer et vous raser. Bien. Messieurs. Merci, mon fils. Charles Delabarre. C'est en bouchant un coin. Mais le remplacement de Durieux n'a pas traîné, hein. Les aristos ont besoin de bosser maintenant, c'est nouveau. Messieurs, bonjour. Le patron est là. Bonjour. Allez-y. Revenez la semaine prochaine avec votre diversité. Vraiment, je suis dégoûté. Je pensais que Vigny était quelqu'un, un type bien. Regarde le fricoter avec cet Alex, là. Mais quoi encore? Mais t'en vas à tout le monde, toi. Le patron, il fait son boulot, c'est tout. Il donne des infos à la presse. La presse? Mais ce type travaille pour le pire torchon de France. L'école Nancy. La voix de l'Allemagne nazie, ouais. Et Vigny qui lui fait des ronds de jambes, ça me m'écœure. La liste des juifs étrangers qui ne se sont pas fait recenser. Les Allemands vont revenir la réclamer d'une heure à l'autre. Elle est mieux chez vous, Alex. 15 photos pour des cartes d'identité. Le plus vite possible. Je suis débordé. Depuis 3 mois, je fais plus de faux papiers que de vrais. Si seulement j'étais aidé. Par qui? Lucas. Mon ami Lucas Barrois. Il serait le premier à dire oui. Pas question. La demande doit venir de lui. Mais il n'a pas fait cette démarche. Lucas et moi, c'est pareil. Justement, non. Lucas Barrois a un fils qui est prisonnier en Allemagne. Il est plus vulnérable que vous. Mais Vigne pourrait au moins dire qu'il n'est pas d'accord. Toi qui chantes sur tous les temps que t'es pas d'accord, ça te rapporte quoi, hein? Les emmerdes. La seule chose que ça peut te rapporter, c'est des emmerdes. Fabre, t'as une opinion sur la question? T'en penses quoi de l'écho de Nancy? Moi? Rien, hein. Je lis pas les journaux, moi, Boer. Ben voilà, par exemple. Voilà un homme qui n'aura jamais d'emmerdes. L'Excelsior, c'est le rendez-vous des Allemands. Ce sera le nôtre la prochaine fois. C'est au milieu des loups qu'on est le mieux caché, vous le savez bien. Vous vous souvenez du repli? Le jour suivant, le rendez-vous manqué se présentait à 17h précises à la bibliothèque municipale. Demandez Guerre épée. Guerre épée. Amusant, non? À ce propos, l'autre jour, à Maxéville, on a bien failli se faire choper. Après votre coup de téléphone, j'ai juste eu le temps de faire déguerpir les Rosenbaum et les deux collabos ont débarqué. Je ne m'attendais pas du tout à la présence de ce type de la PQJ, là, ce calot. Enfin, son vrai nom, c'est Meunier. Il a tué un flic juste avant la guerre, le voilà. J'étais avec le commissaire quand j'ai appris que vous-même m'étiez dans les locaux. Je suis venu au courant. Quel honneur de rencontrer le représentant du seul journal patriote de la région. Que dis-je de la région? De France. Le seul journal français en France. Depuis quelque temps, vous le savez, la presse a changé de main. C'est sûr, les youpins ne peuvent plus y déverser leur venin. On fait ce qu'on peut. Eh bien, permettez-moi de vous féliciter. Vous connaissez le policier Vigne? Ah, le secrétaire principal Vigne est un précieux collaborateur. Ah. Venez. Pardon. Elle est pas là, bordel! Où elle est? Bordel! Où tu l'as planqué? Durieux, qu'est-ce que vous cherchez? Patron, je me suis permis de venir avec des collègues de la PQJ. Je viens pas troubler le travail, c'est juste ma liste. Vous savez, la liste des étrangers qui sont pas déclarés comme juifs. Je suis sûr que c'est cette vermine, là. C'est lui qui l'a planqué. Où tu l'as planqué? Arrêtez! T'as rien à me demander, toi. Tu fais plus partie du service, d'accord? Embarqué. On n'est pas le droit. PQJ a tous les droits. Je suis désolé, patron, je travaille pour l'armée d'occupation. Vous pouvez pas vous opposer, vous pouvez rien faire. On vous le rendra peut-être.
restez assis, je vous en prie. Messieurs, comme vous le savez, nos amis allemands, en étroite collaboration avec notre gouvernement et notamment le ministre Laval, lance une vaste opération qui se déroulera durant le mois de juillet. Elle vise à arrêter tous les juifs étrangers vivant sur le sol national afin de les déporter en Allemagne où ils seront rassemblés dans des camps de travail. Ah non, si cela fera 350 individus en gros. Et les enfants ? Les enfants, que voulez-vous qu'on en fasse ? On les embarque avec les parents. Nous avons accepté que les raflets soient organisés par la police française sur la demande exprès du gouvernement de Vichy. Mais Dr. Walter recommande le plus grand secret. Rien ne doit filtrer. Même dans les commissariats, monsieur le divisionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous ne pouvons risquer aucune fuite. Mes hommes sont sûrs. Je leur fais toute confiance. Pas moi. Moi aussi, monsieur le divisionnaire, j'ai toute confiance dans la police de Nancy. Mais simplement, nous devons rester très prudents. Dans un premier temps, nous allons rassembler le nom de nos hommes les plus sûrs. Puis après, nous réunirons le fichier des juifs étrangers. Je m'en occupe. Avec l'autorisation de monsieur le maire, bien sûr. Oui, bien sûr, monsieur Callot. Je vous signe toutes les autorisations que vous désirez. La liste des juifs non recensés, où elle est ? Je sais pas. Tu serais pas un peu communiste ? Non. Arrêtez, arrêtez. Vous n'avez pas la manière. Hein, Val ? Cigarette ? Dommage. C'est des Américaines. Alors cette liste, tu l'as bouffée ? C'était pas cachère, dis donc. Je vais te dire un truc, mon petit inspecteur de merde. C'est tous les fichiers juifs que vous allez être obligés de nous refiler maintenant. Alors arrête de jouer les durs. C'est l'heure de rentrer. Qu'est-ce que tu fabriques ? Des faux papiers ? Ah, j'ai des formulaires à n'en plus finir. J'en ai encore moins pour une heure. Ça va ? Moyen. Durieux a déjà été remplacé par un jeune inspecteur, un aristo, Charles Delabarre. Un Delabarre ? Qu'est-ce qu'il va foutre là ? Mais décidément, j'en sortirai jamais de mon commissariat du quatrième. Le piston, il n'y a que ça qui marche dans ce monde. Bon, ben, je t'attends pas. Hein.
Vigne, vous finissez tard, dites-moi. Tellement de paperasse à remplir. À qui le dédoux? Je vous offre un gorgeon. Ma femme va s'inquiéter. Ah, c'est un ordre. Il faut que je vous parle. Allez, venez. On est dans de sales draps, Vigne. Non seulement avec ces types de la PQJ, comme Calot, là, qui se croit tout permis, mais surtout avec les Allemands, ils veulent tout régenter. C'est l'armée d'occupation, patron. Michi n'est pas d'accord et je m'en félicite. Je suis totalement sur les visées de la vallée Bousquet. Si on veut que la France reste indépendante, c'est à nous de faire le travail. Quel travail? On doit prouver aux Allemands qu'on n'a pas besoin d'eux pour faire respecter la loi. Il nous faut des arrestations. On a besoin de crânes, mon vieux. Ah oui, mais moi, je suis pas sur le terrain, patron. Ouais, vous êtes quand même à la tête du fichier des étrangers, non? Dans l'ensemble, ils filent droit, ils connaissent trop bien les risques. Mais arrêtez, Vigne, avec ce légalisme français. Laissez. Excusez-moi, mais vous n'avez pas l'air de comprendre l'urgence de la situation. Si on ne fait rien dans quelques mois, ça sera un Allemand qui nous donnera des ordres. Vous comprenez? Quand on cherche, on finit toujours par trouver, et plus facilement qu'on ne croit. Je ne vous le répéterai pas, Vigne. Il nous faut des crânes. Ça vous, ça? Oui. On y va? Au revoir. Au revoir, messieurs. Alors? Alors quoi? Bah, tu sais toujours rien pour Maurice? Comment je pense? Tout le monde me dit, oh, vous en avez de la chance, madame Barrois. Pensez, un père policier, un parrain secrétaire principal au commissariat central. Oh, il est verni, Maurice. Il va vous revenir bientôt. Mais la police, c'est pas l'armée, chouchou. Les militaires, on les connaît pas. C'est des Allemands. À qui tu veux qu'on demande? Tu crois vraiment qu'Edouard et moi, on fait rien pour avoir des nouvelles de Maurice? Mais je crois surtout qu'on sait toujours rien de lui. Hein? Puis je crois que t'es toujours à la traîne. Il y a ton grand ami, Edouard, qui est déjà secrétaire principal pendant que toi. Bah, Edouard, c'est une tête, hein, il n'y a pas de mystère. Une tête? Une tête parce qu'il lit les journaux? Tu veux que je te dise? Ton Edouard, si ça se trouve. C'est un pistonnet. Un pistonnet? De quoi quand? Je connais Edouard depuis toujours. Il connaissait ma mère, je connaissais la sienne. Il connaît mes amis, je connais les siens. Ah bah alors, mon pauvre Lucas, puisque tu le dis, hein, c'est rien que ta faute si tu restes toujours à la même place. Et ton petit salaire de petit flic. Me parle pas comme ça, Jeannette, hein? Jeannette. Vous cherchez quelque chose, petite madame? Non, non, je ne sais pas trop à qui m'adresser. Vous voulez faire une dénonciation? Ah non, non, non. Non, c'est que mon fils est prisonnier en Allemagne. Et comme son père est policier à Nancy, je me disais que peut-être on pourrait savoir au moins où il est pour lui envoyer un colis. Son père est policier à Nancy? Oui, Lucas Barrois, il est au commissariat du 4e. Et puis surtout, son parrain travaille au commissariat central. Son parrain? Édouard, le secrétaire principal, Édouard Vigne. Édouard Vigne. Et ces deux policiers éminents n'ont pas obtenu d'informations. C'est invraisemblable. Je suis très proche de nos amis allemands. Ils ne me refusent rien. Je vous en prie. Suivez-moi. Mademoiselle. Messieurs, je vous félicite. Vous faites du bon travail et vous êtes rapide. Bravo. N'oubliez pas d'expliquer à ces youpins comment il faut coudre les toiles. Hein? À petits points serrés. C'est compris? Hein? Alors, inspecteur Val, on fait son travail avec bonne humeur, j'espère. Hein? Tenez, j'ai un petit cadeau pour vous. Pas mal, hein? Allez, l'afficher tout de suite.
Allez. Monsieur. Papier. Sortez. Je vous ai peut-être mésestimé, Vigne. D'après ce qu'on me dit, d'après ce que je vois, vous êtes un homme de devoir. Enfin, un bon serviteur de l'État, en quelque sorte. Je viens vous refiler un tuyau pour la peine. Je sais que vous avez besoin de crâne. J'en ai. Après tout, l'étoile, c'est votre affaire. Il y a à l'instant où je vous parle, 5 ou 6 jeunes cons qui se promènent dans Nancy en arborant une étoile jaune sur laquelle ils ont écrit « Papou ». Ces couillons. Madeleine ? Albert est rentré ? Parfait. Non, non, rien, rien. Tout va bien. Allez. Tu trouves ça malin, toi ? Nous, on trouve que c'est honteux de marquer les gens comme du bétail. Les gens, c'est pas des animaux. On a honte d'être français. Petit con. Viens par ici. Laissez-moi. Allez, viens. Laissez-moi, je reste avec vous. Allez, viens, Mars. Laissez-moi. Allez, laissez-moi. Bon, allez, mettez-les au frais. Laissez-moi. Allez. Allez. Maman. Maman. Non, 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 oh, ne vous en faites pas, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pour leur faire peur. Je vous ramène demain ou plus tard. C'est promis. Mais viens, je te dis! Cher papa, chère maman. Attends, ma jolie, tonton va venir, tu vas voir. Bon, je peux continuer? J'espère que vous allez tous bien. Je pense beaucoup à vous et à ma chère Yvette qui me manque énormément. Répondez-moi si vous recevez cette lettre. Je vous embrasse très très fort et aussi parrain. Marraine et Albert, votre Maurice. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien de l'entendre. Tiens, Yvette. J'en connais un qui va être rudement content. Albert ! À table ! Désolé, Lucas, mais c'est encore de l'orge. Ah ! À griller, ce coup-ci. Bouillie ! Oh. Mais j'ai trouvé des œufs chez la mère Varin. Ah ! Bon, tu nous fais languir, c'est quoi cette surprise ? Ça y est, je le dis. Je suis nommé au commissariat central. Ah ben quand même, depuis tant que je lui dis, il a fini par se bouger, le patron. Attends, j'ai tout fait pour te faire rentrer, je commence à désespérer. T'es dans quel service ? Je sais pas encore. Tu vois, tu t'énerves, mais ça finit par arriver. Ah bah oui, c'est ça. Ça finit par arriver. Ah, je suis vraiment content. Ah quand même ! Viens dire bonsoir à ton père et viens manger. J'ai pas faim. Et je parle plus à papa. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ce soir ? Tu savais déjà que t'allais les foutre au trou ? De quoi vous parlez, là ? Il a mis tous mes potes en prison. Mais ils sont pas en prison, n'en fais pas des martyrs. Je les avais prévenus, ça leur donnera une bonne leçon. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Des bêtises, des blagues de potache, ils sont sortis demain. Je m'en moque. Je mangerai plus à cette table. T'as raison, fais-toi inviter par ton grand ami Marcel. D'après ce qu'on me dit, il a de quoi manger, le fils du procureur. Mais lui, il est déjà au chaud, j'ai son père. Je te déteste. Et je déteste les filles. Fais voir.
C'est pas bête, Papou, finalement. Ça aide à reconnaître les Papous. On pourrait mettre macaroni pour les Italiens ou con pour les cons. Qu'est-ce qu'on dit ? Rien. Toi, avant, on aurait pu mettre grande gueule. Maintenant, ça serait plutôt bouche cousue. Il a réussi son coup avec toi, Salfred Callot. Bonjour, messieurs. Le préfet et le maire inaugurent ce matin l'exposition « Le Juif et la France » en présence du colonel Roth et du docteur Walter. Vigne, en tant que principal, vous y assisterez, bien entendu. Et vous aussi, inspecteur de la barre, le préfet souhaite votre présence. Il faut que la police française soit bien représentée. Quant à moi, je serai malheureusement totalement indisponible. Messieurs, je vous remercie. La France traverse une période difficile de son histoire. D'où la nécessité de bien faire comprendre à certains Français encore indifférents ou ignorants de la réalité et de la gravité du péril juif. Le juif est un étranger et un ennemi implacable de la France. Et c'est bien cela que cette exposition va nous montrer. Monsieur le maire, messieurs les officiers. Je suis policier. Je suis policier. On s'en fout. Il n'y a plus aucune trace d'Alfred Meunier. Il est mort et enterré. Et toi, tu es petit, petit, tout petit. Tu n'as même pas le droit de lever le regard sur moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais Durieux, avec qui vous travaillez, c'est son frère que vous avez tué. Pas de bol, Meunier. Descendre un flic à Versailles et retrouver son frère à Nancy. Cette fois, c'est fini pour toi, Vigne. Occupez-vous de lui. Patron ! Arrêtez ! Arrêtez ! Le divisionnaire s'est porté garant du secrétaire général. Ça va ? Le divisionnaire dit que c'est lui qui avait ordonné à Vigne de parler à Alex.
Merci, Durieux. Faites attention à vous. Papier, s'il vous plaît. Contrôle d'identité. Contrôle des papiers. Vos papiers. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Il y a quoi dans ça, monsieur? C'est quoi? Bonjour, patron. C'est quoi ce truc? Bonjour, patron. Allez, plus vite, dépêchez-vous. Enlevez votre casquette. Qu'est-ce que vous avez? Alors, Durieux, comment ça se passe? J'ai mis des hommes pour taper au papier, patron. Très bien, Durieux, très bien. Je suis très content de vous. Vous êtes un très bon élément. On va faire du bon boulot ensemble. Merci, patron. Eh, vous là, vous filez comme ça, là. Eh, vous autres, drapez-le, là. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Durieux? Un homme qui cherche à se soustraire à un barrage policier, ça cache quoi? Il n'y a peut-être pas de papier. Ou alors il est juif et il n'a pas l'étoile. T'es juif? Réponds! Non! Eh ben, on va regarder ça de plus près. Allez, emmenez-le. Allez, viens par là. Allez! Allez, on t'en va! Non! C'est vrai ce qu'on m'a raconté, Durieux? Vous aviez un frère? Jean, mon frère aîné, inspecteur. Il s'est fait descendre. De sang froid dans l'eau. Par une crapule, un dégonflé. Alfred Meunier. Il court encore, le salaud. Mais si je le chope un jour, il s'arrêtera net. Vous avez raison, Durieux. Il faut pas laisser un crime impuni. Merci, patron. Bonjour, madame. Vous avez Guerre et Paix? De Tolstoï? Parfaitement. Je vais voir. Alex n'a pas parlé. Il s'est jeté par la fenêtre. Mais on grille le réseau. Votre nouveau contact vient d'arriver au commissariat. Il se fera connaître de vous très vite. Désolé, monsieur, Guérépé est sorti. Au revoir. Au revoir. Votre nouveau contact vient d'arriver au commissariat. Il va se faire connaître de vous très vite. Qu'est-ce que je suis content. On est ensemble maintenant. Moi aussi. Je t'attendais. Oh, allez, c'est ma tournée. Non, 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 c'est la mienne. Oh, oh ben non. C'est la mienne. Pour cet Alex, je suis vraiment désolé. Hein. Je ne pensais pas vous avoir jeté dans les pattes d'un terroriste. Ça vous a pas causé trop de problèmes, j'espère. Non, non, non. C'est Alex qui a eu des problèmes. Ah. Je songe à retrouver enfin ma famille et mes amis. Le seul truc, c'est qu'on rigole pas beaucoup chez vous. Hein. Heureusement, j'arrive. Une histoire. Une histoire. Une histoire. Une histoire. Une histoire. Oh, bah, bah, bah. D'accord. Alors, ce matin, j'arrive au commissariat. Je tombe sur un collègue, la tête ravagée, l'œil au beurre noir, la mâchoire de travers. Attendez, attendez, j'ai pas fini. Alors j'ai dit, dis donc, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, cette nuit, on s'est fait attaquer par des soldats portugais. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Des soldats portugais? Il n'y a pas de soldats portugais à Nancy. Ça serait pas plutôt des soldats allemands? Ah ben, c'est toi qui l'as dit. Hein. On se connaît depuis la maternelle. Ça, c'est mon ami. À voir, mon copain, c'est bien ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car, mon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main.
Aussteigen! Raus! 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 Vous pouvez partir! Vous êtes libre! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie. Non. Et c'est pas la famille, te tourmente pas. Désolé, Vigne. Cette histoire n'aurait pas dû mal tourner. Mais quelle histoire? Il y a eu une embuscade la nuit dernière. Des soldats ont été tués. Les Allemands n'ont pas voulu attendre. Par mesure de rétorsion, ils ont décidé de fusiller des otages. Et les seuls qu'ils avaient sous la main, c'était vos petits lycéens. C'est dur, mais franchement, tu pouvais pas savoir. 5 mômes. J'ai tué 5 mômes. Edouard, arrête. C'est terrible, mais t'y es pour rien. C'est la malchance. Edouard. Il prend tout sur lui. Mais c'est pas lui qui a décidé. Il a juste obéi aux ordres. Et c'est son métier. Il est payé pour obéir aux ordres. Et s'il obéissait pas, il serait renvoyé. C'est ça être flic, non? Je me trompe, Lucas? Non, ma chérie. C'est ça être flic. Madeleine. Vous me prenez pour un monstre. Tu parles pas. Je dis jamais ce que tu ressens. Si tu es triste, si tu es content, si tu es fier. Tu es un mur, Edouard. Alors un mur, on peut le prendre pour un monstre, pour un saint. On sait pas. Je sais bien que t'as pas voulu cette horreur. Mais Albert, qu'est-ce qu'il en sait, lui? Il est perdu. Écoute, Albert. Je sais que tu peux pas comprendre. Y a rien à comprendre, d'ailleurs. Toute ma vie, j'aurais ses mains sur la conscience. Mais je m'en fous de ta conscience. Je veux plus que tu me parles. J'ai honte d'être ton fils. J'ai honte.
Rendez-vous porte de la Craft ce soir à 5h30. Dites-moi, Vigne, il a quel âge, votre Albert ? 16 ans. 16 ans ? Vous inquiétez pas, ils font tous des fugues à cet âge-là, mais on finit toujours par les retrouver. C'est que ça doit pas être facile tous les jours d'être fils de flic. Vous voulez prendre un jour de congé ? Non, je préfère travailler. Vous avez raison. Je lance les recherches et je m'occupe personnellement de l'opération. On va vous le retrouver, votre fiston. Merci, patron. Dites-moi, il est très bien, votre ami Lucas. Il met de la bonne humeur partout où il passe. Par les temps qui courent, on en a besoin. Allez, mon vieux, courage. Eh ben, moi, les rigolos dans votre genre, je les connais. J'en suis un. Enfin, ce n'est pas pour ça que je vous ai fait embaucher au commissariat central. Votre femme ne vous a rien dit ? Je vous ai placé près de votre ami Vigne pour savoir ce qu'il trafique dans son service des étrangers. Après tout, c'est tout de même là qu'on est le mieux pour faire des faux papiers et aider les Juifs à fuir. Édouard ? Excusez-moi, monsieur Callot, mais je connais Édouard depuis toujours. Il ferait jamais un geste hors la loi. Croyez-moi, j'ai du nez. Suivez-le partout où il va et faites-moi un rapport tous les jours. Mais c'est mon meilleur ami. Vous n'avez pas l'air de comprendre, Barrois. Vous avez bien reçu les lettres de Maurice. Vous voulez en recevoir d'autres. Vous voulez revoir Maurice vivant. Faites ce que je vous dis. C'est toi ? Ben oui, c'est moi. Tu me disais rien. Faut que je te parle. Ben moi aussi, Lucas. T'as vu qui est là ? Tirons-nous. Patron ! Patron ! Bonjour, inspecteur. Je vous attendais. Ah oui ? Vous connaissez le quartier, inspecteur ? Oui, je crois que je ne me suis pas trompé. C'est bien des étrangers en situation irrégulière que j'ai repérés dans le coin. Vous nous excusez, inspecteur, affaire de service. Je peux vous montrer, patron ? Bien sûr. À plus tard. Vous l'avez échappé belle, Vigne. C'est moi, votre contact. J'ai pris le relais d'Alex. Je ne sais pas de quoi vous me parlez, là. Pierre Épée de Tolstoï, c'est moi qui l'ai pris à la bibliothèque municipale lundi dernier. C'est moi qui vous ai donné rendez-vous ici, porte de la Craf. Et vous, vous étiez en train de vous jeter dans la gueule du loup. Écoutez, si vous avez quelque chose à montrer, allez-y. Sinon, je rentre chez moi. L'inspecteur Barrois n'est pas votre contact, Vigne. Il vous a suivi depuis le commissariat. Il avait quelque chose à me dire. Oui. Un message d'Alfred Callot, sûrement. Méfiez-vous de lui, c'est tout. Nous, nous avons du pain sur la planche. Malgré le démantèlement du réseau, nous avons plusieurs gradés évadés d'Allemagne à faire passer à Londres. Tous les contacts ont changé. Il faut faire vite. Lucas est mon ami. Il n'a rien à voir avec Callot. Je suis désolé, Vigne. Mais c'est grâce à Callot que votre ami s'est retrouvé muté au central.
J'aurais fait comme vous si Barrois avait été mon ami. Mais vous n'y changerez rien, Vigne. Il est quand même à la botte de Callot. Mais qu'est-ce qu'il allait foutre aux portes de la Craffe? Eh ben, il a retrouvé l'aristo, là, Charles de la Barre. Porte de la Craffe? Enfin, c'est le quartier des putes. Oui, et il avait repéré des étrangers en situation irrégulière dans le quartier. Votre copain commence à m'agacer à la fin, hein. Il est trop réglo. Ah, il a toujours été comme ça, très réglo, toujours le premier. La preuve, il a presque tout de suite été nommé secrétaire principal. Mais qu'est-ce que vous croyez, Barrois? Qu'il a été nommé là pour bonne conduite, hein? Et la lèpre maçonnique, ça vous dit rien? Les francs-maçons? Les francs-maîtres, oui. C'est rien d'autre qu'un réseau de pistonnés. Votre femme a raison, vous êtes trop naïf. Le père de votre pote était franc-maçon, et ça, ça ouvre toutes les portes. Mais non, le père d'Edouard et le mien ont été tués presque en même temps, la même semaine, sur le front en 18. Erreur, mon petit ami. Votre père a été tué dans une tranchée. Jules Vigne a été fusillé comme déserteur. Un de ces pacifistes anti-français qui refusaient de défendre leur pays. Alors après sa mort, les francs-maçons ont pris en charge l'orphelin, comme ils font toujours. Et ils lui ont fait grimper les échelons. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tenez, Barrois, regardez. Voilà. Voilà. Voilà un bon français. Hein? Oh! Oh, les têtes choupines, là! Qu'est-ce que vous faites? On rentre chez nous, monsieur. D'où vous venez? Du travail? Vous savez bien qu'on n'a plus le droit de travailler. Ah, normal, hein. Chacun son tour. Faut laisser la place aux autres maintenant. Respectez la façon réglementaire de coudre votre étoile, vous savez. Barrois, vous voulez vérifier? Non, ça vous dit rien? Elles n'ont rien à bouffer, soi-disant, mais... elles ont toujours du gros nibard, hein. Allez, filez. Parce que je suis gentil. Oui, oh, faut savoir être compatissant de temps en temps. Hein. De toute façon, c'est des étrangères. Elles vont pas moisir ici très longtemps. Faites ma confiance. Vous rêvez? Vous pensez à votre ami Vigne? Souvenez-vous, ce n'est pas lui qui vous a obtenu des nouvelles de votre fils. Ce n'est pas lui non plus qui vous a fait muter au central. Sachez faire le tri entre vos amis et vos ennemis, Barrois. Reste pas planté là. Vous, vos papiers. Oui. Bonjour, patron. Voici les photos dégradées à faire passer à l'ombre. Oui, Vigne, service des étrangers. Oui. Benjamin? Ah oui, oui. Benjamin Milgram, oui. Oui. Comment ça va? Je vous le promets, Benjamin. Je les préviens. Et j'essaie de savoir ce qui se passe. Rappelez-moi, oui. C'est le fils d'une vieille amie de ma mère. Il est à Paris. Il s'y passe des choses terribles. La police française se livre à des arrestations massives de juifs.
La police française, on en amène de partout. On les met dans les autobus, on les parque au Veldiv. Que des juifs étrangers, des enfants, des femmes, des vieillards. À Nancy aussi, ils vont faire ça? Je sais pas. Mais à Paris, tous les juifs étrangers sont arrêtés. Benjamin vous demande de partir le plus vite possible. Schleimer, das ganze Leben hat mir ins Getrieben. Mir hauten in ein Läufen. Ich bin schon mit. Qu'est-ce qu'elle dit? On n'arrête pas de partir. On n'arrête pas de fuir. On est fatigué. On est vieux maintenant. Personne ne nous prendra plus. Et lui, votre petit-fils? Ils vont pas venir arrêter des vieillards avec un enfant? Ils arrêtent tout le monde. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire plus que les Polonais? Nous tuer? Je sais pas, monsieur Milgram, mais si vous ne partez pas demain, c'est eux qui vous font partir. Schleimer, vous dites moi? Je sais pas. Et il vous a lâché ça comme ça? Le préfet Schmidt est un ami de la famille. Il m'a assuré que les rafles auraient lieu le dimanche 19 juillet à Nancy. Très bien. Ça nous laisse 24 heures. De quoi parlez-vous, Vigne? Des juifs étrangers de Nancy. On les connaît. Pas compliqué de les avertir. On n'avertit personne. C'est beaucoup trop risqué. Enfin, ils arrêtent des enfants, des femmes et des vieillards. Ils ne veulent pas séparer les familles, j'imagine. Écoutez, Vigne, le réseau n'est pas un service de charité. C'est injuste. Hé, hey, Edouard, tu te souviens du maître qu'on avait au cours préparatoire, M. Schwarz? Je suis sûr qu'il était juif. Pourquoi? T'as pas repéré à l'expo une photo de juif? On aurait dit Schwarz, trait pour trait. Bon, et alors? Et alors rien, hein. Mais ils ont peut-être pas tort, lèche-le. On se méfie jamais assez. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça change de savoir si M. Schwarz était peut-être juif? S'il n'avait pas été, tu saurais mieux lire et écrire aujourd'hui? Je l'aimais pas, ce Schwarz. Il m'a eu dans le pif. Dès le premier jour de la classe. Il me collait toujours au coin. Il me disait, Barbara, vous êtes née cancre et vous le resterez. Je l'aimais pas. Je m'étonnerais pas qu'il soit juif. On en a eu d'autres, des maîtres, et des très sévères. Ils étaient pas forcément juifs. Évidemment, toi, ils t'ont toujours eu à la bonne. Et tu te doutais de rien. T'as toujours été le chouchou. On se demande vraiment pourquoi. Là. C'est une démarche depuis trop longtemps. Je voulais vous dire que je suis avec vous, patron. On va tous les prévenir, maison par maison. Demain matin, il n'y aura plus aucun juif étranger en ville. Je sais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis, non? Écoutez, je ne peux pas me permettre d'engager mes hommes dans cette affaire. Il y a longtemps que je considère le gouvernement de Vichy comme illégitime, mais je ne peux en aucun cas vous inciter à désobéir. Je suis désolé, patron. Quand je pense à mes enfants, je ne voudrais pas qu'ils aient honte de leur père. Pierre Val est une grande gueule, mais il sera ravi d'être utile. Cheminot et Bartou aussi. Il n'y a que Fabre qui pétoche. Il ne dira jamais oui. Je vais le convaincre. Il n'a pas le choix. Soit il accepte, soit... Non. Inspecteur de la barre. Ici, c'est moi le patron. Tous les hommes de ce service resteront libres de leur choix. Qu'est-ce que c'est, Val? Patron, je voulais vous dire que je savais que vous n'étiez pas devenu un salaud. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, patron. Mais j'ai toujours eu confiance en vous. Allez voir Boer. Il va répartir la tâche. Très bien. Inspecteur Val, soyez discret, je vous en prie. Beaucoup de gens dépendent de nous. Ah, Fabre. Entrez, je vous en prie. Mettez-vous à l'aise.
Asseyez-vous. Nous avons à parler. Ah bon? Mon cher Fabre, vous êtes un homme de confiance. Et je vous ai fait venir parce que je m'interroge. À qui devons-nous obéir? Au maire de Nancy? Au gouvernement de Vichy? Ou à l'Allemagne? Fabre, donnez-moi votre avis. Je suis d'accord avec vous. Quand les ordres viennent de trop d'endroits différents, on ne peut écouter que sa conscience. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais vous donner des ordres, par l'entremise de Boer, auxquels vous allez obéir, comme vous savez si bien le faire, sans réfléchir, sans poser de questions, dans le respect de ma conscience, si la vôtre tendait à vous faire défaut. Fabre, je compte sur vous. À vos ordres, patron. On y va, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On sera pas trop de six. Boer, le patron a dit que tu avais des ordres à me donner. Sept. On sera sept. Parois. Oui. Vous avez cinq minutes? Oui. Je peux vous demander quelque chose? Excusez-moi, Boer. Le patron vous demande. Il a l'air furieux. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous prend, Boer? Vous perdez le sens? Je voulais mettre Barrois dans le coup, c'est le meilleur ami du patron. Cette affaire doit rester circonscrite au service. L'inspecteur a raison. C'est votre ami? Laissez Barrois en dehors de ça. Cheminot, vous allez prévenir Valak et Schneiderman au 26 par là. Sûr. Ah, le 12. Atlas, Bachmann, allez-y. Il va y avoir une rafle, demain, dimanche. Non, non, je ne viens pas pour ça. Écoutez-moi. Il faut que vous partiez avec votre famille. Une rafle, vous avez compris? Yo. Vous savez où vous cacher? Yo. Allez-y, dépêchez-vous. La rafle aura lieu demain, dimanche. Il faut partir ce soir. Ce soir. Vous partez ce soir. Oui. D'accord, oui, d'accord, merci. Il y a une rafle demain. Faut partir ce soir, vous comprenez? Ce soir. Moi, je ne vois pas ce que je fais. Vous êtes bien, madame Bajman? Oui. Il va y avoir une rafle demain. Il faut partir ce soir ou plus tard, maintenant, si vous pouvez. Mais où? Au voisin. Non, ils n'aiment pas les juifs. Maman, les parents d'Odette. Vous les connaissez? Vous avez confiance? Mais on n'a pas le choix. Allez, vous y allez, allez-y. Au fait, qu'est-ce qu'il me voulait, ce Boer? Bon, je crois qu'il voulait nous inviter à dîner chez lui. Il est bien, ce type? Avec l'eau. Avec l'eau comme toi? Tu crois vraiment que c'est grâce à toi que je suis ici au central? Je sais pas, Lucas. J'ai souvent parlé de toi au patron. Ouais. Pendant des années, il se passe rien, et puis brutalement, par magie, il se souvient de moi. Tu crois ça vraiment? On a une couille sur le marché. Faut foncer. Bonjour, patron. Marois, on a besoin de volontaires, tu en es? Je viens. Je sais pas ce qui se trafique, mais ils filent tous vers le marché. Et le marché, c'est le quartier juif. Je vais prévenir les autres. Fabre, je vous laisse la garde de la maison. Thank you.
va bloquer le sud, les autres sont en haut. Toi, tu vas les cueillir rue de la Hache. Moi, partir? Mais pourquoi? Je sais pas, je pensais que vous auriez peut-être intérêt à vous organiser. Vous m'avez dit vous-même qu'ils arrêtent les juifs étrangers. Je suis français, monsieur l'inspecteur de la barre. Ma famille est aussi ancienne que la vôtre à Nancy. Je sais, monsieur Lévy, je sais. Mais je crains que par les temps qui courent, certains ne vous considèrent plus du tout comme des Français. Je me suis battu en 14. J'ai confiance dans notre pays. La France a toujours protégé ses juifs. Non ? La PQG est là, il faut prévenir les autres. Prudence. Bonsoir. Bonjour madame. Paulson, le boulanger et le tailleur. Vous savez pas où ils sont passés? Non, je sais pas. Ils sont toujours à Nancy? Avec quel argent voulez-vous qu'ils soient partis? Ils ont été obligés de vendre pour un franc symbolique, ça fait pas bézef. Merci, madame. Bonjour, Favre. Dites-moi, c'est pas drôle le boulot ici, hein? Vous êtes seul? Les autres vous ont abandonné? J'étais près de nous, j'en sais fiche-toi rien. Chut. Tu veux. Qu'est-ce qui se passe, Ariel? Besoin d'aide? Oh, viens, viens, on a repéré des Youping qui travaillent illégalement sur le marché. Elles se sont tirées les grosses truies. Ils partent tous déjeuner à la même heure? Ben, moi, je fais ce qu'on me dit, hein. Je demande rien, j'obéis, je fais ce qu'on... Est-ce qu'on vous dit, oui, j'ai compris, oui. Vous ne vous posez pas de questions, vous ne vous demandez pas où ils vont, ce qu'ils font? Ben non, moi, j'obéis. Et dans le désert de ce crâne, là, pas une seule petite idée, rien? Ah! La PQJ n'est pas après nous. Bauer est sur le coup. Je vous laisse. Claire, ne vous tracassez pas, le patron vous a trouvé une bonne cachette. Vous serez de retour dans quelques jours. Schleimer. Name de l'Artes. Prie de Wils. Monsieur, je peux les prendre? C'est pour Shabbat. C'est un cadeau de ma grand-mère. Ils sont très très lourds. Vous allez vous encombrer. Laissez-les ici, je vous promets que vous les retrouverez. Allez. Sami, on y va. Prends le ballon. Allons-y.
Dites-moi, Vigne, ça vous arrive souvent de partir tous déjeuner à la même heure? Et vous, Callot? Ça vous arrive souvent de traîner ailleurs qu'à la PQJ? C'est-à-dire, je pense... Vous allez nous foutre la paix ou vous préférez que j'en parle à mon ami le colonel Heinrich? Bon, ben, je vous laisse, monsieur l'inspecteur. Monsieur le secrétaire principal, à la revoyeur. Il n'a rien contre nous. Vous savez où on en est avec les dernières familles à visiter? Boyer va arriver d'une minute à l'autre, on fera le point avec lui. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Il est fier, il n'a pas parlé. Mais pas tant. Il va se prendre pour un maquisard maintenant. N'êtes pas très indulgent, Charles. C'est bien. Merci, patron. Bonjour. C'est lui, c'est Albert. Le petit imbécile. Oh, ne te mets pas en colère. Il est vivant, en bonne santé. Ce matin encore, on se demandait. Évidemment, il ne peut pas dire grand-chose. Grenoble, le 15 juillet 1942. Je suis bien arrivé. Tout va bien ici. Affectueuse pensée, je vous embrasse. Albert. Qu'est-ce qu'il fait à Grenoble? Il connaît personne là-bas. Il est dans le maquis? Et cette fois-ci, il y a une page entière pour toi. Bonsoir, Lucas. Bonsoir, Madeleine. Bonsoir, Edouard. Un petit verre, Lucas? Non, je reste pas, les enfants. On n'a pas encore dîné. Et demain, je dois partir très tôt, service commandé. Non, Edouard, tu devrais faire gaffe, Callot t'a pas la bonne. Comment tu sais ça, toi? Tu sais bien, je travaille pour Callot maintenant. Eh ben, tant pis pour toi. Moi, je suis bien content qu'il m'ait pas la bonne. Ce type est pire qu'un voyou, et tu le sais. Le monde a changé, Edouard, tu t'en es pas rendu compte. Ah. Bon, bien sûr qu'Allo a fait des conneries, mais c'est un type bien. C'est un vrai patriote. Tu devrais causer avec lui, tu tomberas d'accord. C'est pas le monde qui a changé, Lucas. C'est toi. Cet homme est un assassin. Il a profité de la guerre pour échapper à la justice. Et en plus, maintenant, il s'en met plein les poches. Si tu penses que c'est un type bien. Tu te trompes, il se bat pour la France. Et toi, tu te bats avec lui? Tu t'intéresses à la France, tout à coup? Oui, je me bats avec lui. Parce que c'est lui qui m'a obtenu les lettres de Maurice. Et c'est lui qui a fait que j'ai eu ma promotion. Mais toi, évidemment, t'en avais pas besoin, t'avais déjà tes pistons. Hein? Et tu t'es bien gardé de m'en faire profiter, hein? Mes pistons? Oh, ouais, joue pas les mystères avec moi. Tout le monde sait qu'avec un père franc-maçon, la promotion, ça va vite. Mon père franc-maçon? Mais enfin, Lucas, tu sais très bien qu'il est mort à 20 ans, comme le tien. Il était mineur. Comme le tien. T'en as connu beaucoup, toi? Des mineurs de 20 ans francs-maçons? Je sais pas ce que dit Callot. Et tu le crois? Ouais. Écoute, il vaut mieux que tu partes. Et ne reviens pas. Prends-lui la lettre. Maintenant, je t'ai prévenu, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je te dois plus rien. Rends-lui la lettre! Lucas. Désolé, madame. Forain! Forain! Reviens! C'est qui, ça? C'est rien. C'est le fils des voisins.
sortez de là. Qui êtes-vous? Lucas sont des amis de la mère d'Edouard. Des amis juifs, oui, vos papiers. Suivez-moi. Parrain, des grands-parents et un enfant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qui vous a dit de vous cacher ici? Personne. Je connaissais le jardin. Non. C'est moi qui les ai cachés. Tu m'emmènes aussi? Ne fais pas ça, Lucas. Ils n'ont rien fait, laisse-les partir. Mais s'ils n'ont rien fait, il leur arrivera rien. Tu sais très bien que c'est faux. Je sais surtout que j'observe la loi. Toi, tu m'étonnes. T'as toujours été si légaliste. Allez, suivez-moi. Allez. Tu sais pas ce que tu fais. Allez. Vous n'avez pas fait votre travail, Monsieur Caillot. Nancy est la seule ville de France à apporter de si maigres résultats. On attendait 350 juifs. On en a récupéré 20. Mais à 6 heures, tous mes hommes étaient sur le pied de guerre pour épauler la police en tenue dans les rues. Il y a eu trahison ! Vite trouver les coupables, qu'ils soient arrêtés ! Et fusiller, tout de suite !
les rafles de province avaient eu lieu en même temps que celles de Paris, nous n'aurions pas eu ce genre d'incident. Ces sales juifs se sont prévenus entre eux. Ils nous ont ridiculisés. Ils ont surtout essayé de sauver leur peau. C'est humain, non? Les juifs ne sont pas humains. Et s'ils se sont prévenus entre eux, c'est qu'on les avait déjà avertis. Les policiers du service des étrangers étaient les mieux placés. Ça, je ne vous permets pas! Secrétaire principal, Vigne. C'est ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend? C'est moi qui dirige le service. Alors, commissaire, toujours sceptique? Pas sceptique, monsieur Callot. Convaincu. Je suis sûr que monsieur Vigne n'a fait que son devoir. Une drôle de notion du devoir. Que vous partagez avec lui, peut-être. Et vous, Barois, vous y croyez, vous, au sens du devoir d'Edouard Vigne? Mon pauvre Barois. Vous devriez expliquer à monsieur le divisionnaire ce que vous avez appris sur votre ami, le secrétaire principal Vigne. Lucas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas, pardon. Vous savez ce qui attend Vigne, Barois? Oui. Il va être déporté, ou tout bonnement fusillé. Qu'est-ce que vous avez à voir avec ce Callot? Rien, monsieur. Cette histoire n'est qu'un pur règlement de compte. J'espère que vous n'avez pas trompé là-dedans. Bon sang, Barois. Vous êtes le meilleur ami de Vigne depuis toujours, oui ou non? Allez me chercher Durieux. J'ai du nouveau dans l'enquête sur l'assassinat de son frère. Et revenez avec lui. J'aimerais que vous assistiez à la conversation. Monsieur Edouard Vigne, en tant que représentant de l'État d'Israël et en présence de messieurs le préfet Erignac, je suis heureux de vous remettre la médaille des justes qui récompense les hommes et les femmes qui, en dépit des dangers qu'ils couraient, ont tout fait pour sauver des Juifs des camps de la mort. Monsieur Edouard Vigne, vous êtes le dernier survivant des 7 policiers de Nancy. Excusez-moi. Monsieur l'ambassadeur, mais je ne suis pas le dernier.
Pierre Val. Il était avec nous. L'inspecteur Pierre Val. On n'a rien fait de spécial, on a juste fait notre devoir d'humain. Dans l'histoire des hommes et des nations, de tous les hommes et de toutes les nations, nous savons que des monstres existent. Mais nous savons aussi qu'ils sont trop peu nombreux pour être véritablement dangereux. Et que le danger vient en réalité des hommes et des femmes ordinaires, de chacun de nous, prêts à croire et à obéir sans discuter. Nous devons donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre autrement que par la raison. Et puisqu'il est difficile de distinguer les vrais des faux prophètes, ne suivons pas les prophètes. Alors, patron, vous êtes content? C'est pas tous les jours qu'on est récompensé pour avoir désobéi. C'était Le Temps de la désobéissance, film réalisé par Patrick Volson. Il a été conseillé par l'historien Jean-Marc Berlière, mon invité dans une minute. Restez avec nous.